Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Après l'évangile du bon pasteur de dimanche dernier, la liturgie de ce jour nous présente l'image de la vigne, comme des serments rattachés au tronc de la vigne. Nous sommes unis à Jésus et entre nous dans la foi et l'amour. Que cette célébration nous donne le goût de participer, selon nos moyens, à l'annonce de l'Évangile et apporter des fruits par nos gestes de bonté, de partage, d'affection, de compassion et de réconciliation. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père qui alimente notre amour et Jésus-Christ notre Seigneur qui assure notre communion vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Alors, bienvenue à vous tous ce matin, en ce cinquième dimanche de Pâques. Le ressuscité nous communique son énergie d'amour, d'espérance et de confiance. Grâce à la parole qu'il nous donne et grâce aussi à la sève de l'Esprit qui circule en nous, comme dans une vigne, ou comme peut-être chez nous, on pourrait dire dans un pommier. La vie grandit, la vie se répand autour de nous, grâce à notre présence, à notre prière, mais surtout à notre amour. Préparons nos cœurs à entrer dans cette célébration, en accueillant sur nous la grâce du pardon, et surtout la grâce de demeurer constamment en son Fils. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour rassembler l'humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde pour nous conduire au Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu raffermis continuellement nos liens de communion, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous guérisse du péché de division, qu'il pardonne nos offenses et nous conduise à la vie éternelle. Pour tout ce qui grandit dans notre milieu, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, rendons gloire à Dieu. La splendeur.
recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Et prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'était parti tout petit, avec des peureux. Mais Jésus ressuscité a tout changé. Son esprit a transformé les cœurs. Et ça grandit. Ça grandit, ça nous a rejoint 2000 ans après. C'est nous ce matin qui héritons de la joie, du dynamisme, de l'engagement, du témoignage des premiers chrétiens. Saint Jean, tout à l'heure, nous rappellera aussi l'exigence d'aimer en vérité et en acte, et pas seulement avec des bons sentiments. Mais il nous rappelle que Dieu est plus grand que notre cœur. Alors ça, c'est rassurant. En fait, dans l'Évangile, Jésus développe l'image de la vigne. Laissons-nous guider ce matin par la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des apôtres. En ces jours-là, arrivés à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi,
vie pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée à mon cœur à jamais. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il y a des moments où on se rend compte qu'on demeure quelque part. Aujourd'hui, on est dans un monde de mobilité, hein, ça bouge pour toutes sortes de raisons. Et parfois, on se sent un peu étranger là où on demeure. Moi, je demeure à l'île Perrault, mais je vous dirais qu'hier soir, lors de cette belle soirée du souper spaghetti, où pour une fois, la chance m'a souri et a pu sourire à la paroisse aussi, j'ai réalisé que j'étais chez nous, je me sentais chez nous avec tout ce beau monde. Ce monde de partout, c'était une fête, c'était les gens étaient heureux de se revoir, de se saluer. Les gens de tous les âges, de toutes les sortes de familles, les petits, les grands, les anciens. Il y avait bien sûr tous nos bénévoles qu'on voit plus régulièrement, mais beaucoup de gens qu'on voit à l'occasion qui étaient heureux d'être là. Et bien sûr, les optimistes aussi qui ont travaillé très fort pour le succès de cette soirée. Beaucoup de monde et un bon repas. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là ou qui, peut-être ceux qui ne pouvaient pas y être. Mais vous avez manqué quelque chose de bon. Tout ça témoigne de la vitalité hein, de l'Église dans notre milieu. Il n'y a peut-être pas de photographe, ça ne sera peut-être pas dans la une des journaux ou locaux, mais c'était un grand rassemblement, beaucoup de monde, des centaines de personnes. Et tout ce monde qui est un peu semblable à cette vigne dont parle Jésus ce matin, Jésus ressuscité, une vigne qui donne du fruit dans le dévouement et la générosité. Le temps pascal, c'est le temps où on peut se permettre de s'émerveiller. Je ne sais pas si vous le faites. On est toujours là à demander. Alors, vous savez, le pape François dit souvent, la prière, là, c'est trois mots. S'il vous plaît, merci, pardon et s'il vous plaît. Alors, nous autres, d'habitude, on fait ça à l'envers. Hein? S'il vous plaît, pardon, puis des fois, on dit merci. Pas tout le temps. Prendre le temps de s'émerveiller, de vivre dans un milieu qui est vivant, où il y a beaucoup de gens qui s'accueillent, s'entraident, se donnent la main, hein, sont capables de générosité, de dévouement, de don de soi. Tout ce qui a pris racine aussi dans notre milieu, on n'est pas né d'hier, hein, Saint-Michel et toutes les autres paroisses, évidemment, aux alentours, les 125 ans de notre diocèse, mais ça fait presque 4 siècles que c'est en marche. Hein, une plante tenace, une vigne tenace hein, qui a développé ses racines. Alors, c'est ça, Jésus, aujourd'hui, Jésus ressuscité, parce que dans le temps pascal, c'est lui qu'on écoute. Il nous fait part un peu de son testament spirituel. Il nous parle d'enracinement. Il nous parle aussi de fruits. Il utilise l'image de la vigne. Mais bien sûr, la vigne, c'est encore un petit peu étranger pour plusieurs d'entre nous. Ça ne pousse pas nécessairement chez nous, mais il y a quand même un vignoble ici à Vaudreuil. Et de plus en plus, des gens font la route des vins quelque part dans les bas cantons de l'Est. Alors, mais si l'image de la vigne vous semble étrange, vous pouvez toujours prendre celle du pommier. Nos pommiers qui ont l'air tout morts actuellement, mais qui vont fleurir, espérons-le, avant la fin de mai. Alors, Jésus nous dit, remarquez qu'il nous parle de la vigne. Donc. Il dit, je ne suis pas le cep, hein, ce n'est pas juste le tronc. Il dit, je suis la vigne. C'est toute la vigne. Et ça, c'est l'œuvre du Père, nous dit Jésus. Ce n'est pas d'abord Jésus. Jésus, c'est le Fils qui accomplit l'œuvre de son Père. C'est Dieu au cœur du monde qui veut le bonheur de nous tous, qui veut pour tous la vie éternelle, la vie en abondance.
Le Christ est vivant au cœur de nous. Il est vivant dans notre milieu. Et nous sommes un peu comme les sarments, c'est-à-dire les branches de cette grande vigne. Et la santé de la vigne, nous dit Jésus, dépend de la santé de chaque branche ou sarment, si vous préférez, et inversement. Et au fond, donc, il s'agit donc d'être bien branché, d'être bien greffé à la vigne. Hein? Le Père, nous dit Jésus, prend soin de la vigne. Ce qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Ce qui porte du fruit, il l'émonde. Ce qui explique peut-être que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a moins d'épreuves que d'autres. On en a des épreuves, hein? La maladie, la souffrance, toutes sortes de choses, mais Jésus dit, quand on a la foi, on sait que pour nous, c'est une façon d'être émondé pour porter davantage de fruits. Moi, je ne connais rien en jardinage, il y en a parmi vous qui sont sûrement plus habiles, mais il y a certaines plantes hein, qu'on coupe, soit l'automne ou au printemps, pour que la sève puisse monter et développer des nouvelles branches. Le Père prend soin de la vigne, donc, et de la sève qui y circule, à chacun d'être bien branché, conscient qu'on fait tous partie d'un tout vivant. Alors, voyez que la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord quelque chose d'utilitaire. On n'est pas chrétien, on ne pratique pas simplement pour obtenir des faveurs. Parce que là, on risque bien gros d'être déçu. Parce que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on demande. Il nous donne, par exemple, la force et la joie de passer à travers une épreuve. La foi non plus n'est pas individualiste. Ce matin, on est arrivé, je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous saluer entre vous. On n'est pas dans un autobus. On n'est pas dans un train de banlieue. Ce que je suis vient des autres. Moi, j'ai besoin de votre prière, puis vous avez besoin de la mienne aujourd'hui. Et les autres ont besoin que je sois vivant aussi, rayonnant de la bonté de Dieu, que je sois en santé ou spirituelle, que je sois fécond d'amour, de paix, de joie rayonnante. Alors, nous sommes les branches vivantes d'un tout vivant. Alors, c'est peut-être bon de se rappeler que la vigne, l'image de la vigne, en tout cas, les disciples, eux autres, savaient bien sûr de quoi Jésus parlait, parce que l'image de la vigne dans la Bible, c'est une image très importante. Hein? C'est, la vigne, là, c'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la vigne, son peuple, c'est sa vigne. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des vignobles, ils en prennent soin de leur vigne. Hein? Puis ils craignent les mauvais temps, puis tous les petits bobos, les bactéries hein, qui peuvent s'attaquer, mais alors, hein, ils en prennent soin pour vraiment que la vigne porte du fruit. Et ce n'est pas toujours seulement au plan économique qu'on évalue ça. Hein, que là, quand Jésus dit « porter du fruit », il ne sort pas sa calculette là, et sa calculatrice. Il essaie de voir justement un bon verre de vin qui a 50 bouteilles et qui en a 500 000. Hein, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Êtes-vous du bon vin dans la vigne du Seigneur? Alors, la vigne, c'est le peuple de Dieu. Et Jésus, c'est la vigne. Jésus ressuscité, remarquez, on est après la résurrection. Nous sommes les membres du corps du Christ. C'est comme un réseau, pas juste Internet, vous voyez. C'est une toile, c'est un arbre vivant qui est formé de tous ceux qui se laissent inspirer par la vie, par le message, par la présence de Jésus. Alors, c'est là que vous comprenez qu'il y a une église visible. Ce matin, on peut dire qu'ici, nous sommes peut-être 200, peut-être. Hein, nous sommes une image, un aspect visible, un peu comme un iceberg. Hein, il y a la partie qu'on voit, mais qui est beaucoup plus importante, celle qu'on ne voit pas. Hein. Ce matin, nous sommes là, mais par exemple, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas... Hein, mais il y a des infirmières qui se dévouent, il y a des préposés qui se donnent corps et âme pour... mettre à l'aise pour apporter de la joie du soleil, on en manque de ce temps-là, aux malades, bien, c'est l'Église, ça aussi. Là où il y a de l'amour, Jésus est là, Dieu est là, et donc l'Église aussi est là, l'Église invisible. C'est essentiel au bonheur de l'humanité, et à commencer par à côté de chez nous ou dans notre propre maison. Jésus nous dit, « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Et il nous dit demeurer, là, ce mot-là revient 7 fois dans l'Évangile. Demeurer, hein, c'est vraiment là où j'ai mon pied à terre, là, je suis chez moi. Hein, c'est pas juste le pied, c'est que je suis chez moi vraiment. Hein, c'est une présence intérieure, c'est une intimité aussi.
Dieu demeurait comme ça au milieu de son peuple et l'accompagnait en toutes circonstances, à travers le désert, dans les périodes difficiles, dans l'exil aussi. Ici, c'est le Christ vivant qui demeure en nous quand nous sommes fidèles à ses commandements. Et si vous remarquez, les commandements, il n'y en a pas 3000, il n'y en a pas 300, il y en a 2. Mets ta confiance en Jésus, le Fils de Dieu, puis aime ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme il nous a aimés, c'est-à-dire en acceptant aussi d'offrir, de donner ta vie pour ceux que tu aimes, pour ceux que Dieu te confie. Alors Jésus dit, demeurez en moi, être branché. Hein, on peut avoir le meilleur système informatique au monde, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas branché, il n'y a rien qui marche. Est-ce que je suis branché sur le Christ? Est-ce que je suis habité par lui? Est-ce que je demeure en lui? Est-ce que j'ai en lui mon adresse profonde? Est-ce qu'il est ma maison? Et ça nous renvoie un petit peu à la première lecture qui est très belle. Remarquez que c'est une église en développement, en pleine croissance. Malgré les épreuves du départ, Étienne et les autres qui ont déjà été assassinés, persécutés, mis en prison, mais c'est une église qui grandit, qui rayonne. Pas par sa puissance politique ou économique, par le rayonnement de ses membres, des servants qui sont vivants, qui donnent de l'amour partout où ils passent. Et Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, précise, avec l'assistance de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, on va le célébrer bientôt à la fête de la Pentecôte, dans 2-3 semaines. L'Esprit-Saint, c'est la sève de la vigne. Pensez à votre pommier aussi, ou à votre érable peut-être. C'est la sève de la vigne, l'Esprit de Jésus, qui renouvelle toutes choses, même l'Église. Alors, devenons de plus en plus, nous sommes une Église qui donne du fruit. Hier, c'était une belle manifestation. Peut-être moins en nombre aujourd'hui, mais surtout en qualité. Puis encore là, le nombre, comme je dis, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Voyez, seul aussi, ce matin, tout à l'heure, je vais célébrer la messe pour des jeunes adultes qui vont être confirmés dans 2-3 semaines. Alors, ces personnes-là, ils découvrent la foi d'une certaine manière à l'occasion d'un mariage ou d'un baptême. Alors, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été confirmés. Bien, si tu veux accompagner ton filleul, il faut que tu sois confirmé, que tu sois un disciple accompli. Donc, alors, ces gens-là découvrent, puis est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Il y a des jeunes, cet après-midi, qui vont vivre de la première communion. Quelle place on fait aux jeunes dans notre vie, dans notre foi, dans notre amour, dans notre accueil? Avez-vous salué le beau jeune qui est là en avant de nous ce matin? Bon, il y a plein de choses à nous apporter. C'est l'Église de demain qui est là. On n'a pas beaucoup, amenez-en, là, vos filleuls, vos petits-fils, vos petits-enfants, puis surtout, restez pas en arrière, amenez-les en avant, puis donnez-leur un prix en Église pour qu'ils puissent partager, vivre l'événement comme nous autres, pour découvrir, comprendre, découvrir surtout ce qu'ils ont d'essentiel à nous apporter, leur talent, leur capacité d'amour, leur dévouement. L'Église a grandi chaque fois qu'elle s'est laissée déranger par l'Esprit-Saint. Seul, là, dans les Actes des Apôtres, c'était dérangeant. Et les gens sont mis à dire, hey, pas lui. Il y a 2 semaines, il courait après nous autres pour nous mettre en prison puis nous faire arrêter. C'était pas évident, faire confiance à l'Esprit. Barnabé lui dit, moi, je m'en occupe. Je vais être son mentor. Je vais être son formateur, d'une certaine manière, son accompagnateur. Et avec Barnabé, seul, qui est devenu plus tard Paul, saint Paul, va devenir un apôtre, un témoin de l'Évangile. Alors nous aussi, soyons des Barnabé, soyons des guides qui encouragent ceux qui poussent, soyons surtout des témoins. N'ayons pas peur de parler de ce que nous voyons de bon et de beau autour de nous, puis dans notre paroisse, puis dans l'Église, parce que les journaux montrent toujours ce qui ne va pas bien, alors parlons de ce qui va bien. Et notre Église sera vivante, elle produira du fruit et elle aura de l'avenir. Amen.
En lui nous demeurons, en lui nous sommes branchés. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Père qui nous rassemble ce matin en son Fils. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour le monde, afin qu'il demeure toujours attentif au message évangélique de la réconciliation avec Dieu et de l'harmonie entre les peuples, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec l'assistance de l'Esprit, ses membres demeurent constamment greffés sur le Christ, en vue de la communion fraternelle, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les femmes et les hommes engagés dans la vie politique, afin qu'ils contribuent par leurs gestes et paroles au rapprochement des personnes et des peuples, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils ressentent davantage la nécessité de s'ouvrir aux autres pour l'enrichissement mutuel et l'épanouissement de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que la parole et l'Eucharistie nous dispose toujours à produire des fruits d'amour en abondance, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour Alfie, cet enfant de près de 2 ans, qu'un hôpital anglais vient de débrancher malgré la demande des parents et malgré l'intervention du pape et d'autres hôpitaux qui auraient été prêts à l'accueillir. Alors, et pour tous ceux qui, de plus en plus, se font imposer des décisions concernant leur vie, prions le Seigneur. Enfin, pour nos jeunes qui vont vivre leur première des communions, afin que ce ne soit pas la dernière, grâce à notre témoignage et notre intérêt, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu veilles constamment sur la vigne qui est ton Église. Réponds aujourd'hui à nos supplications pour le renouvellement de nos cœurs et la transformation du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
La messe de ce matin est offerte en mémoire de Cécile Baribeau, en mémoire de Raymond Pilon, dont c'est le premier anniversaire de décès, en mémoire de Claude Relion, dont c'est le 10e anniversaire de décès, en mémoire de Marie-Rose et Honorius Chouinard, de Reina et Ephraim Ponce. Et enfin, c'est une messe pour les oubliés et les malheureux. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Père, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais prendre part à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique que vous trouvez dans le Prions en Église à la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus, le premier que tu as ressuscité des morts, tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous croyons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y a plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu notre Père, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté notre offrande. Sanctifie, Père très bon, le corps et le sang. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion.
au cours du dernier repas qu'il partage avec ses disciples. Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu. Il est vivant maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu notre Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit-Saint, le corps et le sang de ton Fils. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Père, à notre pape François, à notre évêque Noël Simard et à tous les évêques, à notre pasteur Éric aussi. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, que nous pensions à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Michel et tous les saints du ciel, ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La gloire de mon Père, nous dit Jésus, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. » Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offrons-nous les uns aux autres la paix qui vient de Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous. Cet après-midi, ce sont les premières communions. Et si on décidait ce matin de vivre cette communion comme si c'était la première, avec le même émerveillement, la même joie, le même amour? Heureux sommes-nous d'être invités à ce repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin octobre, la messe de 17 heures du samedi sera à l'église Sainte-Trinité. Alors, peut-être pour ceux qui viennent à l'occasion, là, c'est bon de le savoir puis de l'indiquer. Alors, on fait 6 mois à Sainte-Trinité durant l'été et 6 mois ici. Nos étés, ce n'est pas toujours de 6 mois, mais enfin. Les nouveaux horaires aussi pour les intervenants, le lecteur, servant, etc., ministre de communion, sont prêts. Alors, pour Sainte-Trinité, vous voyez Ghislaine, et pour Christine, vous voyez ici... pour Saint-Michel, vous voyez Christine ou Guy, qui est ici ce matin, parce que Christine est absente aujourd'hui. Alors, donc, de sorte que vous saurez exactement à quel moment on a besoin de vous. Quelqu'un m'a dit, tu dois faire de l'Alzheimer parce que tu sautes des prières. Oui, j'en saute une, je le confesse bien volontiers. Parce qu'après le Notre Père, il y a 2 prières qui sont la même chose. Hein. On prie pour la paix. Bien, on prie, bien sûr. Puis c'était fait ça, à l'occasion, à l'époque où il n'y avait pas de prière universelle. Habituellement, il y a toujours une prière pour la paix aussi, la prière universelle. Alors, durant le temps pascal et durant certains temps d'année, je prends la formule du Notre Père qui se termine par car c'est à toi qu'appartiennent. C'est la formule œcuménique, d'ailleurs, qui est attestée par l'Évangile de Matthieu en particulier dans beaucoup de manuscrits. Alors, puis dans le temps ordinaire, je vais prendre, par exemple, l'autre prière qui fait allusion justement à Pâques. Alors, je ne fais pas d'Alzheimer, pas encore. Et puis, je vous invite à regarder cette belle photo. Avez-vous pris le temps de la regarder? Quand vous venez communier, êtes-vous comme ça? Posez la question, c'est répondre. Quel trésor nous avons! Alors, on va prendre la prière finale à la page 29. Ensemble, Dieu notre Père, nous te bénissons pour la parole de ton Fils qui nous apprend à te connaître. Apprends-nous à aimer comme il nous l'a demandé, par des actes et en vérité. Fais demeurer en nous ces paroles et nous porterons du fruit pour ta plus grande gloire, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde branchés sur lui et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans l'amour et dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir.
C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulange en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.